Ah, c'est très bien. Ouais. Bah c'est très bien. Allez, on y va. Salut à tous. Coucou. Salut. Alors nous sommes en train de faire, ça ne se voit pas, mais nous sommes en train de faire quoi, Fantin? Des vidéos. On est en train de faire des vidéos. Bah oui, c'est vrai, on est en train de faire des vidéos. Ouais, non, on fait du shopping. Du shopping sur internet, et oui, parce qu'il fait très chaud et que aller en magasin, c'est compliqué, c'est fatigant. Du coup, on s'est mis sur le site de Verbaudet parce que il y a les ventes privées jusqu'à moins 60% jusqu'au 27 juin. Du coup, on a sauté sur l'occasion. Oui, on l'avait déjà fait et voilà. Alors, chaussures, justement, je voulais regarder les chaussures. Ah ben voilà, celle-là j'adore, j'avais craqué et maintenant elles sont en super promo. Fantin, toi t'étais pas là. T'étais contente toi tes pantalons. Oui, mais par contre, il était pas là pour les choisir. Il était pas là pour les choisir, et oui c'est ça. Donc là aujourd'hui on est mercredi et je lui ai reparlé de Verbaudet et là il a dit cette fois-ci, maman, je suis là. Alors tu es là, c'est bien. Et donc moi j'étais dans les maillots de bain là parce que c'est vrai que niveau maillot t'es un peu t-shirt de bain garçon anti UV bleu. Voilà, alors garçon anti UV, tu sais ce que c'est UV? C'est en fait c'est des t-shirts pour te protéger du soleil. Tu vois? Alors, ça... et alors là, mais pourquoi là? Donc il y a les promos et tout, donc t'en achètes 3, t'en as 10. Non, c'est quand même pas ça, hein. Faut pas exagérer. Attends, je regarde ce qu'il y a. Faut pas exagérer, mais tu vois, t'as le prix, voilà, 24 euros par exemple, 23,99 et tu le payes 19,99 quoi. Donc 21, 22, 23, tu fais 4 euros de réduit quoi, c'est pas mal. Lesquels te plaisent, Fantin? Celui... Alors regarde l'ensemble de bain, c'est pas mal ça, non? C'est anti-UV, mais c'est... bon voilà. C'est pour quel âge ça? C'est pour son âge, hein. 8 ans, voilà. Alors voilà, ça c'est pas mal. Et ça, il y a, c'est... y a un requin encore, disons. Ouais. Alors, ensemble de bain, garçon anti-UV, bleu, bas marine, imprimé, 8 ans, 19,90. Bon, c'est moins 15% là. La tête qui fait, genre il fait... Bon, allez, moi j'ai envie de voir autre chose. Alors... rangement et déco. C'est quoi ça, rangement et déco? Ah oui, rangement et déco, remarque, ça peut être une bonne idée, ça. Rangement et déco, bah oui. Ça peut être une bonne idée parce que... Rangement et déco. Alors... Oui, bah, des petits trucs dans la chambre d'Amantine qui seraient pas mal, peut-être. Regarde, il y a cette étagère, là, que je trouve vraiment très bien. Alors, la promo n'est pas énorme, mais il y a quand même... À combien? Il y a quand même 20 euros, quoi, de moins. Bah, ça fait à peu près 20%, non? Un peu moins. Non, 15%. Non, c'est 15%. C'est assez joli ça. Hein. Ah oui. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est l'étagère sans. Oui, d'accord. Ça pourrait être pas mal pour remplacer en fait. Sa vieille étagère dans la chambre. Ouais, sa vieille étagère dans la chambre. C'est pas mal du tout ça. Il y a des chaussures. Ah, c'est ouais. Moi qui les... Des chaussures d'été. Non, des sandales, tu vas voir. Elles sont vachement sympas. Alors je te montre lesquelles c'est. C'est celle-là. Et toi, t'es en 31, c'est ça? Oui. Alors. Non, je veux pas des sandales. Pourquoi? C'est bien pour l'été? Tu veux pas celle-là? Bon, alors, attends, on va trouver d'autres, alors. Celle-là, tu préfères? Les garçons, voilà, ils choisissent toujours des trucs un peu... Bah non, mais attends, il faut respecter ses goûts aussi. Aussi, hein. Bah oui, bien sûr, elles sont très bien. Moi, j'aimais bien les autres, toujours. Bah oui, bon, moi, je suis... Bon, limite, mais Annie, elles sont moins chères ou quoi? Hein? Elles sont moins chères que les autres ou quoi? Ouais, carrément. Ah bon? Maman? Oui, mon amour. Je veux un nouveau lit. Tu veux un nouveau lit? Bah, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais je te promets que t'en auras un nouveau lit. Alors, et ben voilà. Alors, moi, je vais continuer un petit peu sur le rangement et la déco. Bon, lui, ça l'intéresse pas du tout, donc je pense qu'il va zapper sur autre chose. On a vu deux, trois choses. On a vu pour les chaussures, parce qu'il n'est pas question d'acheter des chaussures qui ne lui plaisent pas, n'est-ce pas? Ça n'est pas possible. Ah, si c'est pour les voilà. C'est dommage parce que celle que je t'ai montrée, elle me plaisait beaucoup. Non, non, mais on va quand même insister un petit peu. On va essayer de lui donner raison. Pas insister, les enfants, là, sur les chaussures, ils sont comme ça. En tous les cas, on vous mettra un lien. De tout ce qu'on a acheté, parce que si vous aussi vous avez envie d'acheter la même chose, bah, vous pourrez peut-être en profiter si vous vous réveillez avant le 27 juin, parce que je crois que c'est le 27 que ça s'arrête, hein. Je crois que ça doit être ça. Il faut se dépêcher. Alors en magasin aussi, je crois que c'est la même chose en magasin. Ouais.
Je sais pas en fait. Je dis oui, mais sans doute. Enfin, voilà. Mais attendez, restez avec nous quand même parce qu'on va vous montrer. Pour voilà. Nous, ça va durer combien de temps, François? Bon, on va attendre que les colis arrivent. Le plus vite possible, et on vous tiendra au courant justement de en combien de temps c'est arrivé. Parce que c'est important aussi, hein, ce genre de choses. Voilà, on a reçu notre colis. Eh oui. Alors, entre-temps, il s'est passé quelques jours. Ouais, c'est un 4-5 jours. Voilà, Fantin a eu le temps de se faire couper les cheveux quand même. Regardez cette nouvelle coupe. Hein? Bon, alors on va l'ouvrir. On l'ouvre. Oui. Alors, tadam, avons-nous bien reçu donc notre commande? Alors, là, tu as un sachet. Ouais. Avec différentes choses dedans. Et là, je vous montre, on a aussi le gros paquet. Ah, c'est du lourd. Hein? C'est du lourd, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, ça c'est pour Amandine. C'est quoi ça? C'est pour moi. Et c'est quoi alors? C'est quoi? Tu sais? C'est pour les poupées. C'est pour les poupées, non? C'est un tapis Marel. Un tapis Marel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah ça m'a l'air très bien. Oh, c'est joli. Ça m'a l'air très bien. En fait, alors je vais vous montrer comment on joue à la Marel. En fait, vous prenez par exemple un cap là, vous jetez. Ah oui, bah. Ah bah elle est tombée à côté là. Trois. D'accord. Terre, je dois sauter la case. Donc par au-dessus, oui. Mais moi, je sais faire aussi la marelle. Je ne sais plus, moi. Si, regarde, moi, tiens, je sais faire aussi. C'est pas comme ça. Si, c'est comme ça, Mantine. Mais après, tu fais un fait comme ça. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas fait comme ça. Tiens, moi, je sais faire. Regarde, je vous montre. Aussi. Non, c'est pas comme ça, Fantin, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, va. Hop, voilà. Ah oui, mince. Bon, admettons, c'est tombé sur le 4. Alors, quand c'est sur le 4, facile. Ça c'est différent. Ça. Alors, si, là, c'est 2. Ah. Là, c'est 2. Mais non, là, non, là, tu dois pas marcher là où il y a le cap là. Justement, tu dois pas mettre ton pied sur la case où il y a l'objet, tu vois. Ouais. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit alors dans le sac? Attendez, là. Oh non, je vais aller prendre un petit thé, moi, puis je vais revenir, et puis là... Fantin est impatient de voir alors, ce qu'il y a. Attends, on va trouver quelque chose pour Fantin. Bah, Fantin, il sait normalement ce qu'il y a. Fantin, les saucisses. Et Amandine, les saucisses, les mêmes. Oh là. Ah, mais Amandine, elle les avait même pas vues. Non, elle les avait pas vues. Alors déjà, Fantin, tout de suite, on va les essayer. Alors, qu'est-ce que t'en penses déjà de la première? C'est confortable? Ça va? Bah pour Amandine, ça a l'air d'être bien. Bah ça va, ça a l'air d'être ta taille hein, quand même. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre, moi? Qu'est-ce qu'on a d'autre, Amandine? Allez, une petite chose pour Amandine. Oh. C'est quoi ça, Amandine? C'est un t-shirt. Un t-shirt qui change de couleur, non? Alors non, il y en a un jaune. Oh oh. Et un blanc avec des points, parce que jaune c'est ta couleur, ma fille. Ah, fais voir le motif qu'il y a dessus alors. Regarde. C'est Vaiana, non? On dirait un peu Vaiana, t'as raison. Ah oui, ça fait un peu tahitien. C'est Vaiana. Voilà. C'est pas Vaiana, mais bon. Et celui-là, il est. C'est Vaiana. C'est mon préféré, celui-là. Il est joli avec des petits pois. Ouais. Attends. C'est moi qui choisis ça. Non. Ah, si tu veux. Voilà. C'est quoi? Alors, ouvre. Tu vas ranger ça dans ta commode. Fantin, je le rappelle, il avait quand même choisi avec toi les différents arts. Ah oui, je me suis dit, va ranger ça dans ta commode. Je me suis pris un coup de tiroir dans le dos. Alors, ça c'est le maillot de bain d'été parce que c'est vrai que ça c'est des trucs anti-UV. C'est comme un maillot de bain normal, hein, classique. Voilà, c'est. En plus, ça sèche super vite. Ouais, c'est UV 50 machin là. Oh. 50 plus. C'est quoi ça? Non, c'est pas tout à fait un pantalon. Ah, laisse-la deviner, c'est un... Un short. Il te plaît? C'est un short. Ouais, il te plaît? Il est joli en rouge. Ah, il est joli. Elle en veut un autre. Elle en veut un autre, ça y est. À Fantin. Allez, voilà. En fait, tu as fait genre le... C'est moi. Non, t'en as fait beaucoup des choses, là, quand même. Non, ouais, pas mal, ouais. Un short. Un bermuda, plus exactement. Classique, mais sympa, non? C'est un bermuda. Mmh. Hein? Tu vas, remets-toi debout pour voir si ça va, si c'est ta taille. Ce qui serait bien, c'est que tu l'essayes quand même pour voir si c'est ta taille. Mmh. Parce qu'on peut les changer si ça va pas, si c'est pas la bonne taille. Hein.
trouve qu'il est un peu long par rapport à l'autre. Ah, mais Annie, si c'est pas la bonne taille, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu peux changer, tu le renvoies. Et ça, c'est un short. Ça, c'est un short. Ouais, un joli short. Oh, attends, il y a quoi? C'est quoi, là, la ficelle? Ah non, c'est quoi? Ah, mais je peux voir. Ouais, des petites ficelles dorées, là. Et voilà, c'est fini pour le... le sac magique. Ah non, c'est une ceinture. En fait, ouais. T'as une petite ceinture, ouais, en ficelle ça, dorée, là. Alors là, c'est fini pour le sac plastique. Et ben ouais, c'est fini. Il reste le masterpiece. Il reste the masterpiece. Je dirais là, la pièce maîtresse. L'étagère. Moi, tu sais quoi? Changer dans la chambre d'Amantine, je pense. C'est quoi? Moi, pour moi, Verbaudet, bizarrement, j'avais l'impression que c'était que les vêtements. Non, pas du tout. Et en fait, on a découvert sur le site aussi. Moi, j'avais pas découvert, je le savais déjà. Oui, bah, dis-moi. Toi, tu l'as découvert forcément parce que tu fais pas dans les shopping. Bah, si, mais dans les... Ah, c'est très bien. C'est très bien. Alors écoutez, on va monter ce meuble alors. Tu t'y mets, je te regarde, je continue de filmer. Voilà, c'est ça. Vas-y. C'est ça même. Et non, c'est ma partie maintenant. C'est à moi de monter le. Bah oui, ce serait plus drôle. Bah oui, ce serait tellement plus drôle. Donc moi, je propose une chose. Hein, c'est peut-être de débarrasser l'endroit. Je vais le mettre là, le meuble, là, je pense. Hein. Ici, à la place de la table, on va mettre la table ici. Comme ça, on va le mettre là, en attendant. Oui, je comprends pas. Mais enfin, on sûrement. On va faire un petit chamboulement, et je vais monter le meuble. Alors, pendant que papa monte le meuble, et moi aussi, et que Fantin regarde papa en train de monter le meuble, Amantine met ses chaussures. Il va m'aider finalement, à monter les tiroirs. Finalement, elle est motivée pour mettre les chaussures. Au départ, elle n'était pas trop. Et maintenant, voilà. Elle a décidé de les essayer. Alors, elle essaye de les attacher toute seule. Bah, ce qui est pas mal, déjà. Et elle y est arrivée sur la première chaussure. Donc ça, c'est très bien. Et voilà. Bah alors, t'es contente? Il y a Fantin qui parle en bas. Son papa est allé chercher sa perceuse dévisseuse. Et fais voir les chaussures, alors. Est-ce que t'es à l'aise dedans? T'es bien dedans? Oui. Bon, bah, elle est bien dedans. Bon, bah, elle est bien dedans. Alors, j'ai envie de dire, c'est le principal. Hein. Et oui, c'est pas toujours facile avec les enfants de trouver des choses qu'ils aiment, dans lesquelles ils se sentent bien, que ça soit facile. Surtout, les enfants, ils ont des goûts un peu parfois particuliers et tout. Donc, vous pensez acheter un truc bien. Et en fait, au final, ils sont pas d'accord du tout avec ça. Du coup, quand ça match comme ça, c'est cool. Alors, opération bricolage, Fantin donne des coups de tournevis pour fixer les roulettes sur le meuble. On a la notice, avec quelques petites pages, nos petites vis, et on est super bien parce qu'en plus on a une visseuse électrique, sauf Fantin, qui pour l'instant n'a pas de visseuse électrique, parce que la visseuse électrique ne permet pas de visser les petites roulettes. Mais ça va? Tu t'en sors très bien là, non? Oui, oui. Alors Fantin, visse. Les dernières petites vis d'un tiroir. Ah ah! Quel sérieux, on dirait un vrai bricoleur. Hein. Oh là, quelle dextérité! Bravo, et alors, facile? Moi, c'est un peu plus facile. Hein. Attention, tadam! Voilà! Ça te plaît la puce? Oui! Elle est belle, hein? C'est une maison! Ah, c'est une armoire maison, eh oui! Comme une maison, exactement! Alors bon, bah là, on a mis l'armoire, la petite étagère armoire ici. Bah, ouais, c'est plutôt une étagère, en fait, des étagères avec deux petits tiroirs. Ouais. Allez, regardez, il y a deux petits tiroirs, on peut mettre plein de choses dans ces tiroirs. Il y a même une... porte secrète. Bam. Les enfants, ils adorent les petites portes secrètes. Alors là, on dira que c'est une porte secrète. Ça te plaît? Regarde, en plus, ça va très bien avec la marelle. Ouais, et ben voilà, c'est la fin de ce shopping Verbaudet qu'on avait envie de partager avec vous. Profitez-en parce que l'opération, dans la première partie de cette vidéo, elle est en cours et il faut vite se dépêcher. Ça se finit très bientôt, voilà, et on vous mettra les liens de tout ce qu'on a acheté dans le descriptif de cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous.
abonnez-vous, partagez, un petit pouce bleu, et c'était Mali Alex. Bisous. Bisous. Ciao, ciao, Martine.